Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Paraplégique Life. Alors aujourd'hui, une journée un peu spéciale où je vais jouer au foot. Alors, au foot, vous allez dire paraplégique qui va jouer au foot. Mais là, je vais vous faire découvrir encore quelque chose de plus extraordinaire, le cécifoot. Donc le cécifoot, c'est des personnes malvoyantes qui jouent au foot. Alors, vous allez vous dire, attendez, mais le mec, on va jouer à foot avec un aveugle. Eh bah ouais, aujourd'hui, on va le faire. Et puis, je peux vous dire qu'ils sont hallucinants parce que voir déjà comment ils se déplacent, c'est quelque chose de très, très impressionnant. Donc du coup, Raphaël, parle-nous un petit peu du cécifoot. Qu'est-ce que c'est? Les gens ne connaissent pas. D'ailleurs, moi, je ne connaissais pas vraiment. Quand on m'a dit, écoute, il y a des gens aveugles qui jouent au foot, j'avais envie de rigoler. Et aujourd'hui, je vais moins rigoler. Parce que... Ouais, je pense aussi. en fait, le cécifoot, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est du football pratiqué par les non-voyants. Donc, il y a deux éléments importants qui vont être le ballon, dans lequel il y a des clochettes pour pouvoir se repérer. Comment ça marche? Parce que moi, j'y connais rien, les gens ne connaissent pas. Comment c'est possible que les personnes peuvent jouer au foot alors qu'ils ne voient rien pour trouver la balle? C'est comme si un peu que je te disais, on va conduire une voiture, un aveugle va conduire une voiture, quoi. Alors, c'est quoi les caractéristiques? Comment ils font Alors, en fait, ils utilisent beaucoup les sons et la communication. Donc, on a un ballon dans lequel on a des clochettes. Ballon spécial. Voilà, dans lequel on a des clochettes, des petites billes, ça permet de faire du bruit. D'accord. Et de toujours savoir où est le ballon quand il est en mouvement. D'accord. On a également des bandeaux, parce que certains joueurs ont des résidus visuels. D'accord. Donc pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, comme tu peux le voir sur Walid et Arnaud. Comme ça, il n'y a pas de temps. Voilà, on a des bandeaux et en compétition, mais également des patchs sous les bandeaux. En plus des bandeaux, ils ont des patchs sur les... Voilà, pour vraiment être sûr que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Une petite session, changement de sens, et c'est avec la voix qu'il se repère. Donc, il y a Raphaël qui parle, et le coéquipier Arnaud qui... parle pour donner un peu les repères, à quel moment il faut tourner et se retrouver. Donc si je comprends bien aussi, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un futsal et tout le terrain est balisé par des balustrades, ouais, pour qu'ils puissent se repérer. Donc ça, c'est tous les terrains de cécifoot qui sont comme ça ou c'est seulement... Non, en fait, les terrains de cécifoot en compétition, ils sont bordés par des boudins gonflables. D'accord. Ou alors par des balustrades. En compétition, on a des boudins gonflables tout autour du terrain qui permettent de le délimiter. D'accord. Et c'est toujours les mêmes distances, c'est toujours mêmes terrains pour leurs repères, pour savoir comment, à quel endroit ils se trouvent? Alors non, justement, moi j'ai par exemple dans le complexe futsal, j'ai différents terrains. D'accord. Et ça m'arrive fréquemment de changer de terrain justement pour bousculer un petit peu leurs repères. Ouais. Donc à chaque fois, ils doivent se réadapter par rapport au terrain. Voilà, se réadapter, être autonome, c'est ce qui fait la force de l'activité. Donc là, quand on les voit courir par exemple, ils comptent leur nombre de pas, comment ça se passe pour qu'ils arrivent à se repérer? Non, en fait, ils ont une petite perception des masses. Ouais. Et après, ils ont repéré un petit peu le terrain avant de se mettre à courir, etc. Ils ont repéré un petit peu le terrain et ça leur permet d'avoir quelques repères qui sont intéressants et de s'échauffer de manière totalement autonome. Ils se sont vraiment autonomes. Ouais. Ouais. Je suis au milieu, voilà, donc les deux joueurs sont là-bas. Ils vont venir jusque le centre du terrain. Ils vont m'éviter. Et donc, qu'est-ce que je dois dire? C'est quoi alors le mot? Enfin, le langage cécifoot. Un signal universel. En fait, tu vas les appeler en utilisant le mot voy. Voy, d'accord. Donc, le mot voy à intervalles réguliers. D'accord. Et grâce à ce son, ils vont se représenter sur le terrain l'endroit où tu es. D'accord, ouais.
Pour t'éviter. Pour m'éviter. Voilà, en fait, l'endroit où il y a du bruit, c'est l'endroit où il y a quelqu'un. Où il faut pas venir. Donc, le but du jeu, c'est de repérer les espaces libres. Ouais. Par exemple, si je me mets juste à côté de toi, ouais. Et qu'on est tous les deux à signaler, d'accord. Ils vont être capables facilement de passer entre nous deux. D'accord, ok. Et donc là, ils vont venir là et ils vont tirer au ouais. But. Ok. Et ils vont t'éviter. Et ils vont m'éviter. Ou peut-être pas. Ou pas. Tu verras. Vas-y. Ouais. Ouais. Ah putain. Bye. 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 Vas-y. Bye. 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 Arnaud, ouais. On n'a pas dit de viser la barre. Hein. Bon alors moi aujourd'hui, bon là, donc déjà je suis paraplégique, je ne sens pas mes pieds, et là maintenant je ne veux plus rien voir. Alors là, c'est la totale. C'est pas grave, Walid et Arnaud ils vont me guider. Allez, on va essayer. Tu joues ? Ouais, ouais, je joue, ouais. Okay. Enfin, je sais pas où je suis, mais... Walid, t'envoies le ballon à Axel. Oui. Axel, appelle-le. Ouais. Axel. Ouais. Ouais. Ma béquille. Ah. Je suis où, là ? Vas-y, vas-y, avance. Comment tu le sais ? Ah ouais, il est là. Ah, il tape trop fort dedans, à chaque fois, il va partir. Ah ouais, non, mais attends. Attends, attends. Il est où ? Je dois pas être loin. Il est là. Alors je vais essayer de vous trouver. Ah, je suis trop à gauche à mon avis. Alors là, pour vous dire un peu... Je... Ouais, ouais. Ouais, on va se rapprocher peut-être. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. Merde. J'y vais. Attends, attends. Voilà. Ah putain. Pour moi, c'est hyper compliqué parce que je sens pas mes pieds du tout. Alors, je sais pas quand je touche le. J'ai aucune idée quand je touche le ballon en fait. Bon, alors, j'ai beau avoir le maillot officiel que j'ai eu par mon ami Sébastien Corchia. C'est pas pour autant que je suis une bête au football. Hein. Vite, qu'est-ce que t'en penses ? On valide Axel ou pas ? On sait s'y foutre. Ouais, pour un débutant, c'est bien. Pour un débutant. Un débutant paraplégique, je sens pas mes pieds, je vois rien. À la totale. C'est la totale aujourd'hui. Celle-là, non. Donc là, tout le bas à gauche. Assez impressionnant. Enfin, moi, hallucinant. Walid. Et Arnaud, donc Walid, qui vient juste de dire à l'instant, en plein milieu du terrain de foot, c'est ici le centre. Alors ça, je sais pas comment il fait. Explique-nous, là, je suis en train de filmer. Oui. Explique-nous un peu comment tu as réussi à savoir que le centre était là-bas. D'après les distances, j'ai senti un truc que je crois qu'ils l'ont fait exprès. T'as senti avec le pied ouais. Que la petite bande qui est juste là-bas, ouais. Comme quoi tu étais au centre du terrain. Je pense, oui, j'ai senti en tout cas un truc, je sais pas si c'est... Ah si, bande. C'était ça, il était bien au centre. Ouais. Donc voilà, assez... Enfin, je suis bluffé. Encore une fois, bon, cette fois c'est pas moi, mais c'est d'autres Andy qui ont prouvé que rien n'était impossible, que le corps pouvait s'adapter à beaucoup de choses, et j'ai été vraiment bluffé de leur jeu. De la façon dont ils jouent et qu'ils arrivent à se repérer. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Paraplégique Life et n'oubliez pas une chose, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Ciao.